Je suis le célèbre fromager de Saint-Pierre de la Martinique. Des murs, j'en ai vu beaucoup dans notre ville d'art et d'histoire. Je suis le fromager au tronc épineux, contre lequel les maîtres lacéraient les esclaves qu'ils voulaient punir. Ces maîtres rendaient justice eux-mêmes sur leurs habitations. La justice, il n'y en avait pas vraiment dans ce système inégalitaire, arbitraire et corrompu. Le premier palais de justice se trouvait en face de l'actuel théâtre, aujourd'hui en ruine. Le second site du palais de justice se trouve derrière moi, c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville. Dans une ambiance de paranoïa, une crise prévotale pour les cas d'empoisonnement de maîtres fut mise en place. C'est ainsi qu'à Saint-Pierre, la négresse libre, Marie-Louise Lambert, fut injustement accusée de tentative d'empoisonnement, puis fouettée et marquée. Elle avait été à tort dénoncée par son amie Marie-Claire, qui voulait se venger du fait que Marie-Louise ait rompu leur amitié. Malgré le fait que Marie-Claire, prise de remords, désavoua son acte ignoble, la justice punit très sévèrement Marie-Louise Lambert. Dans les années 1830-1840, des mesures améliorant les conditions de vie et de travail des esclaves avaient été adoptées, mais ces mesures ne furent pas respectées par les colons. Je suis le fromager ressuscité après la catastrophe de 1902. Je reste assez admiratif du vieux et gigantesque mur de pierre qui soutient en contrebas l'ancienne batterie d'Esnoz, appelée autrefois batterie Saint-Nicolas. Il a en partie été épargné par le volcan, tout comme certains murs des commerces et entrepôts du figuier qu'il surplombe. C'est sur le site de l'ancienne batterie que se produisit une révolte d'esclaves venus réclamer la libération de l'esclave romain qui avait été emprisonné pour avoir joué du tambour. La batterie d'Esnoz nous rappelle que la ville de Saint-Pierre disposait de nombreux sites défensifs, sites auxquels il était très difficile d'échapper quand on était esclave. Celui nous rappelle aussi que durant la période post-esclavagiste du Grand Saint-Pierre, la ville bénéficiait de nombreux aménagements, jardins et espaces verts, où il était agréable de se promener, échanger ou écouter de la musique. C'est sur la promenade d'Esnoz que le carnaval de Saint-Pierre prenait son départ. Je suis le fromager, témoin du préjugé de couleur du système esclavagiste qui a favorisé pendant des siècles la ségrégation raciale et socioculturelle, visible notamment à l'intérieur des murs du théâtre. Il y a eu plusieurs théâtres à Saint-Pierre. Les places du théâtre étaient occupées en fonction du statut social et de la couleur de peau. Ce système a bénéficié de la division de la population noire. Il divisait pour mieux régner. Il existait une stratification économique et sociale au sein de la population noire, servile et libre. C'est dans les murs du théâtre qu'est apparue la première cocarde révolutionnaire et qu'a éclaté l'affaire politico-raciale Val en 1878. Les rues du Grand Saint-Pierre étaient animées de jour comme de nuit par de nombreux édifices voués à la culture, aux loisirs et au divertissement.